Salut à tous et surtout bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et bien aujourd'hui, nous allons vous dire si les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont été reportées ou si elles tiennent toujours pour la date dite qui est le 31 octobre 2020. Alors, pour plus d'informations, restez scotchés et c'est parti après le générique. Après cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la cloche de notification si c'est déjà le cas. Plus et bon visionnement. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, certains patriotes et partisans se posent la question de savoir est-ce que l'élection sera-t-elle reportée ou est-ce qu'elle doit avoir lieu le 31 octobre 2020. Ceci dit, vous n'aurez plus de panique car la date constitutionnelle de l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est fixée pour le 31 octobre. Depuis le 14 septembre 2020, nous connaissons la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Cependant, deux des candidats, Henri Konan Dédié du PDCI et Pascal Afinguessan du FPI, avec plusieurs autres partis de l'opposition, souhaitent le report de l'élection pour demander que certaines conditions soient réunies. Ils sont rejoints dans leur volonté de voir la présidentielle reportée par Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse, de l'ex-président Laurent Gbagbo et leader de la galaxie patriotique qui multiplie les appels à ce sens. Avant eux, Konan Kaoudi Siméon, ancien candidat à la présidentielle, le réclame depuis plusieurs années. Il va plus loin en souhaitant la mise en place d'une transition au cours de laquelle une concertation nationale sera faite pour régler toutes les différences politiques des principaux acteurs. Pour plus d'informations concernant la présidentielle 2020, n'hésitez donc pas à vous abonner. A plus, bon visionnement.